l'église paroissiale de Migiano est dédiée au saint martyr Vincent, patron de la ville. Selon la tradition historique, la structure originaire date du XVIe siècle et elle a subi au cours des siècles des modifications au niveau structurel et stylistique. Aujourd'hui, la façade apparaît sobre et austère, caractérisée par trois entrées et trois niches contenant les statues en pierre des saints apôtres Pierre et Paul et l'effigie des saints Vincent, qui surplombe la monumentale porte principale. L'édifice, récemment rénové, présente à l'intérieur une large nef, encadrée par les chapelles et les autels latéraux, fruit de la dévotion religieuse de la communauté de Migiano. Très précieuse est la toile du peintre de Nardò Antonio Donato d'Orlando, qui date de 1616. Au centre du tableau, on peut admirer le saint protecteur Vincent, qui reçoit du ciel une couronne et un palmier. En bas, aux côtés, sont représentées des histoires hagiographiques, comme la représentation du martyr sur les grillages. Au pied du tableau, on peut admirer la statue processionnelle du saint, conservée dans la niche qui porte les blasons civiques de l'Universitas de Migiano, un pommier, aujourd'hui encore visible sur les drapeaux du palais municipal. Les décorations en style rocaille et les précieux stucs colorés sont bien visibles sur l'autel de la Vierge du Carmine. Au centre de la toile est représentée la Vierge à l'enfant, en train d'offrir les scapulaires aux âmes du purgatoire, placées à leurs pieds. En haut, enfermée dans sa cadre sinuée, on peut admirer une toile de Sant'Oronzo, premier évêque de Lecce selon la tradition. Très caractéristique est la grotte du Calan, située à quelques pas de l'église mère, où se trouve le siège du Mumic, un musée qui préserve des artefacts et des vêtements liturgiques qui racontent l'histoire de l'église mère de Migiano.